À la France de dégager à Mayotte qui est comorienne. Ça, c'est important pour nous de savoir le dire. Alors que, au contraire, monsieur Gérald Darmanin, le Premier ministre, monsieur Macron, ils sont illégaux chez nous. Que ce soit dit, si c'est ça qu'ils vont continuer à vouloir nous affamer, qu'ils nous affament. Mais on va dire ce qui est vrai. À Mayotte, donc, et puis après je me prononcerai à titre personnel. Donc l'occupation coloniale de l'île comorienne de Mahoré, c'est-à-dire Mayotte, par l'État impérialiste français doit cesser. La deuxième phase de l'opération policière baptisée Wambushu est relancée sur l'île comorienne de Mayotte, officiellement en mi-novembre par le duo Macron-Darmanin. C'est toujours une expédition de près de 2000 policiers et gendarmes et de CRS pour expulser du territoire des Comores sans papier, soi-disant, entre parenthèses, puisque tout Comorien qui est à Mayotte est chez lui, alors que Darmanin, Macron et tout Français qui n'a pas de nationalité comorienne est illégal. Ce n'est pas les Comoriens qui sont à Mayotte qui sont illégaux, c'est au contraire les autres Français qui ne sont pas des Comoriens qui sont illégaux. C'est une parenthèse au niveau de l'appel. Selon la loi française, tout Comorien qui est à Mayotte est illégal, alors que normalement c'est l'État français qui est illégal aux Comores, à Mayotte, puisque Mayotte fait partie du Comore. Cet arsenal de guerre sera renforcé par plusieurs bateaux, intercepteurs et une surveillance aérienne accrue. C'est ce qui se passe actuellement depuis mi-avril. La première phase de l'opération Wambushu 1 serait un échec au regard des objectifs chiffrés, c'est-à-dire destruction de centaines de bidonvilles, expulsion de plus de 20 000 Comoriens sans papier. On est considéré sans papier chez soi. Mais celui qui est sans papier, il n'est pas sans papier. C'est-à-dire que le français, le colon français, lui, il n'est pas sans papier, mais lui, il a des papiers aux Comores, à Mayotte. Sans papier en 2 mois. Éradication de la délinquance. C'est grâce, délinquance entre guillemets, puisque en réalité, qui est délinquant au Comore à Mayotte, en réalité, si nous voulons nommer les choses, c'est au contraire, c'est l'État français qui est délinquant là-bas. Disons les choses, quoi qu'il en coûte. Là, c'est une parenthèse, il n'est pas du texte, c'est moi qui le rajoute. Cet arsenal de guerre sera renforcé, je dis bien, par plusieurs bateaux, intercepteurs et une surveillance aérienne accrue. C'est ce qui se fait. La première phase de l'opération Wambushu 1 serait un échec au regard des objectifs chiffrés.
entre parenthèses, destruction de centaines de bidonvilles, expulsion de plus de 20 000 sans-papiers entre guillemets en 2 mois, et éradication de la délinquance entre guillemets encore, c'est grâce à la mobilisation de la société dite civile et des soutiens à l'intérieur et à l'extérieur de Comores qu'on pu réduire ces acteurs extrémistes. C'est l'échec politique de Darmanin dont on prêtait des ambitions politiques pour la primature française. Lorsque l'indicateur bruyamment le lancement de cette opération coup de poing sur Mayotte, c'était l'année dernière si vous vous en souvenez. C'est surtout la faillite révélée au grand jour de l'administration coloniale sur Mayotte, coupable de déloger des dizaines de familles avec enfants sans les reloger, d'aggravation et de la crise économique dans un territoire qui souffre de pénurie d'eau potable et d'épidémie de choléra, et sans présenter la moindre perspective de régularisation des problèmes de violence sociale qu'elle a laissé se développer. Nous condamnons, je suis toujours dans... Dans la déclaration du Césume, je suis toujours dans la déclaration du Césume, nous condamnons le droit du plus fort colonial. La France viole aux Comores la résolution 1514 de l'ONU de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La résolution 3385 de l'ONU de 1975 sur le respect de l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. Le statut de Rome de 1998 pour crime contre l'humanité dans son article 7. Et là, je suppose que cet article parle du fait que ce que fait la France aux Comores, à Mayotte, c'est ce qu'on appelle un déplacement de population qui est puni par cet article de 1998 de Rome, du statut de Rome. Nous condamnons la collaboration du gouvernement comorien avec l'État néocolonial. Le président comorien Azali Assoumani, putschiste multirédiviste, revenu au pouvoir depuis 2015, en réalité 2016, a un scrutin contestable, mais en réalité, je rajoute, c'est pas que contestable, c'est un scrutin illégal, illégitime, anticonstitutionnel, puisque c'était le giratoire, c'est-à-dire le tour de Mahoré. Et les Comoriens dans leur ensemble, c'est-à-dire que la classe politique et bien entendu le peuple comorien qui a été manipulé, n'a pas vu le piège, il a accepté d'aller commencer un tour, là je fais une parenthèse, c'est moi qui parle, c'est pas la déclaration, au lieu de respecter le tour de Mahoré, c'est-à-dire de Mayotte, vu que notre pays est un archipel de 4 îles, on a fait le tour sur les 3 îles, au lieu de faire la 4e, par mimétisme, par, on va dire, courbette, ils sont allés commencer le tour alors qu'on n'a pas fini. Donc, merci beaucoup, madame. Je continue. Donc, il est à un scrutin contestable assigné avec l'État néocolonisé français. L'accord cadre, il y a eu un accord cadre de 2019 qui le soumet au chantage, à la coopération et le fait participer à la razzia du Wambushu. Donc, le régime qui est, c'est important de le savoir, c'est un régime qui est illégal, illégitime, anticonstitutionnel, puisque depuis le 30 juillet 2018, c'est important de le savoir que notre frère,
qui est censé respecter, il a foulé à ses pieds la constitution comorienne. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, cet homme, ce frère, mais qui est injuste, qui fait la courbette, qui est un oblige de l'État français, il a foulé à ses pieds, il considère que son pays n'a pas à avoir une constitution, ce qui est inacceptable. Ainsi, il se soumet à l'État français, au point que c'est un garde-côte des Comores qui a tiré récemment à balles réelles sur une Comorienne embarquée sur un Kwasa Kwasa. Rappelons que cette Comorienne qui a été tirée par la garde-côte comorienne, et cette garde-côte comorienne, au contraire de lutter et d'aider ses propres compatriotes à reprendre leur pays, sachant que cette compatriote, son époux est un Français de nationalité, ses enfants sont des Français de nationalité, et la France a osé chasser cette Comorienne chez elle à Mayotte. Suite à ça, elle a voulu revenir et on a tiré sur un militaire comorien qui est aux ordres, qui a fait ça. Et enfin, pour finir, la déclaration de Sésum, je dis bien Sésum, c'est un collectif qui dit stop ou embouchou aux Comores, à Mayotte. Nous, organisation membre du collectif Sésum, avec nos soutiens, appelons toutes les personnes éprises de justice, de paix et de liberté à amplifier toutes les actions qui peuvent entraver l'opération Place Nette à Mayotte. Comme vous l'avez entendu, il s'agit actuellement d'une opération Wambushu 2 qui est baptisée Place Nette à Mayotte. Développons la collision du gouvernement, déplorons bien entendu la collision du gouvernement comorien avec l'État colonial français dans cette affaire. Appelons à la solidarité active des organisations, des partis politiques et des personnes, des personnalités attachées à la souveraineté totale de Comores et des territoires encore colonisés ou néocolonisés. Vive la convergence de nos luttes, vive la solidarité entre les politiques, vive la solidarité contre les politiques extrémistes. Voilà, ça c'est la déclaration du Sésum. Maintenant, si tu permets, je peux m'exprimer maintenant à mon nom. Merci beaucoup. À mon nom, quel est le problème? Comme vous l'avez entendu, Sésum fait une déclaration pour dénoncer encore une fois l'opération Wambushu qui est actuellement baptisée Place Nette à Mayotte. Alors, qui est illégal au Comores à Mayotte? C'est l'État français, c'est Gérald Darmanin, c'est Macron, c'est le Premier ministre, c'est n'importe quel Français qui n'est pas comorien qui est illégal. Et pourtant, c'est le comorien qui est dit illégal. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a de la délinquance. Qui est responsable? On nous dit que le pays n'est pas développé. Qui est responsable? Le responsable, c'est l'État colonial. Bien sûr, il y a les complicités. Ce sont les soi-disant responsables aux Comores. Ça, c'est un. Donc, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe. C'est que voilà, nous avons deux entités. Ces deux entités, on a une entité française qui est impérialiste, dont le gouvernement, c'est important pour nous qui sommes ici de le savoir. Le gouvernement est légal ici, légitime, constitutionnel. C'est vrai, c'est un gouvernement qui est contesté, ça c'est vrai. Mais ça c'est la faute à qui? C'est la faute à nous en tant que citoyennes et citoyens qui ne prenons pas nos responsabilités pour élire des gens qui méritent pour faire ce qu'il faut. Mais cette institution est légale, légitime et constitutionnelle ici en France. Cette même institution est illégale, anticonstitutionnelle et illégitime aux Comores. Parce que c'est une colonisation, disons-le. Et face à ça, on a une entité comorienne dont
Le gouvernement, bien sûr, est illégal, illégitime, anticonstitutionnel depuis le 30 juillet 2018, pour la raison pour laquelle le pays, le président qui a été élu parce qu'on n'a pas respecté la Constitution, mais ça c'est un autre problème, c'est pas de sa faute, mais depuis 2018, il a foulé à ses pieds la Constitution. Mais c'est important de savoir que même si elle est anticonstitutionnelle, illégale, c'est-à-dire l'institution représentée par Hassanna Assoumani, le putschiste multirédiviste, même s'il est légal, anticonstitutionnel, mais il a la légitimité de dire à la France de dégager Mayotte qui est comorienne. Ça, c'est important pour nous de savoir le dire. Alors que, au contraire, monsieur Gérald Darmanin, le Premier ministre, monsieur Macron, ils sont illégaux chez nous. Que ce soit dit, si c'est ça qu'ils vont continuer à vouloir nous affamer, qu'ils nous affament. Mais on va dire ce qui est vrai. Ce qui se passe, j'ai dit, il y a deux institutions. L'institution française qui est légale ici, constitutionnelle et légitime, même si elle est contestée. Et ça c'est vrai, elle est contestée. Mais ça c'est notre faute. Oui, mais je voulais finir par là. C'est-à-dire que l'État français nous chosifie, nous déshumanise. Maintenant, tu peux poser ta question. Oui. Oui, c'est très bien. Ah oui, ça, c'est important. Il y a Marine Le Pen qui l'a porté, alors qu'elle dit qu'elle est ici, elle dit qu'elle est contre ceux qui viennent d'ailleurs. Mais là-bas, Mayotte, elle n'est pas... Mais là-bas, Mayotte, elle n'est pas étrangère. Donc, oui, ta question. Oui, je vous remercie beaucoup, madame. Oui. Oui. Ah, non. Le média, ce qu'on appelle Comore Alternative. D'accord. Oui. Voilà. Moi, je suis une jeune sans papier. Oui. Vous aimeriez lui faire parler? Il n'y a aucun souci. Il peut venir là. Il n'y a aucun problème. Venez. Voilà, donc je finis. C'est important pour nous de savoir que ce qui se passe aux Comores, c'est très grave. Comment est-il possible de chosifier, de déshumaniser un peuple au point qu'aujourd'hui, chaque Comorien est devenu l'ennemi de notre Comorien à cause de la colonisation, disons-le. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, un Comorien de Mayotte, il se dit qu'il n'est pas Comorien. Qui est la faute? La faute, c'est à qui? Bien entendu, en tant que Comorien, en tant qu'être humain, j'ai une responsabilité, c'est vrai, mais la responsabilité, c'est l'impérialisme, c'est la colonisation, disons les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a réduit en néant la résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué, par exemple, la résistance, on l'a tué à la place publique pour faire que... Ensuite, avec le temps, la colonisation fait chemin faisant, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout, on fait avec ce qu'on appelle le temps, la ruse. Donc on a commencé par... D'abord, la puissance de feu, c'est d'abord ça qu'on utilise. Ensuite, les gens ont peur et avec le temps, ils utilisent ce qu'on appelle la ruse. Et à la fin, c'est l'aliénation. Et bien entendu, nous savons très bien, si nous sommes à ce niveau, c'est à cause de cela. Et aujourd'hui, on veut nous dire que chez nous, au Comore, à Mayotte, nous sommes délinquants, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais qui est délinquant en réalité? Ce sont les responsables français qui nous choisissent et ça, on ne peut pas l'accepter. Et si c'est cela qu'on va continuer, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la leçon de dire qu'on ne peut pas continuer, non, non, on continue. On a entendu M. Emmanuel Macron, qui est mon petit frère de loin, qu'est-ce qu'il a dit? Un journaliste lui a posé la question, mais vous défendez l'Ukraine, et pourtant, il y a Mayotte. Il a dit non, non, là-bas c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'on peut les choisifier, on peut accepter qu'ils se déracinent, ils s'aliènent, ça c'est pas grave. Ah bon? Et pourtant, on sait très bien que les Ukrainiens, en réalité, sont des Russes, même si, bien entendu, nous savons que l'Ukraine, c'est une victime, ça il faut le dire. C'est une victime, mais en réalité, qui est derrière? C'est l'OTAN, c'est les États-Unis, tout le monde le sait. Mais chez nous, Macron, Emmanuel Macron, qui a dit quand il faisait la campagne, la colonisation est un crime contre l'humanité. Et une fois élu, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé en Bretagne, il faisait une promenade et on lui a posé la question. Il a dit, il disait qu'il rigolait, mais ce n'est pas de la rigolade. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Il a dit, là, ça pêche ici, mais pour le Comore,
là-bas, les Kasakwasa pêchent pas et ramènent du Comoré, c'est-à-dire l'accommodation du bétail. Les Comorés ici, avec l'émotion, toujours, alors que ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de justice, c'est une question d'humanité et de justice. Ils ont manifesté, alors que normalement, c'est tous les jours qu'on devrait manifester. Nous, notre mouvement, attends que je finis par là, nous, notre mouvement, nous l'avons écrit. Que non, il ne s'est pas trompé. Ça, c'est la conséquence. C'est le subconscient depuis 1841, date à laquelle le commandant Passon, qui est allé dire qu'on lui a vendu l'île, vous rendez compte, quelqu'un, parce que c'est un militaire, c'est une autorité française, peut dire on m'a vendu, et donc c'est bon. C'est à partir de là, de commandant Passon 1841, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, qui, au lieu de rectifier, à la limite, on peut dire des erreurs, mais en réalité, ce n'est pas des erreurs. Ce sont des fautes graves. Parce que non seulement des humanistes, sachant que depuis 1994-15, date à laquelle on a mis Indice de Balladur, il y a au minimum 50 à 80 Comoriens qui sont morts à travers le bras de mer comorien. Maintenant, je t'écoute, mon frère, parce que tu veux poser. Romain, tu fais un palier par quelqu'un. Après la déclaration du Sésime, j'ai expliqué qu'il y a deux entités. Bien entendu, ça, ces armes-là, qui leur a donné? Et en plus, on vient de dire que c'est, même la déclaration du Sésime explique très bien que depuis les accords, les pseudo-accords de 2019, où la France a promis à son oblige comorien néocolonisé, Azali Assoumani, qu'il va lui donner 150 millions. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ces 150 millions? On prend une partie, on met dans la poche, et une partie, on met des radars, et on dit il ne faut pas que le comorien sorte de chez lui. Au nom de quoi il ne peut pas sortir? Donc, certes, le militaire a une responsabilité, et c'est important de pouvoir le dire, mais c'est important de savoir que même si ce Comorien, même si Azali a une responsabilité entière, sans contexte, mais c'est une conséquence, et c'est important de le savoir. Nous ne disons pas, et nous ne sommes pas en train de couvrir ce militaire. Et d'ailleurs, c'est important pour nous de dire que chacun de nous qui pose un acte, qu'on va dire un acte injuste et surtout dramatique, a une responsabilité qui n'a pas besoin de démonstration. Mais seulement, c'est important aussi d'aller au fond. Le fond, c'est la colonisation. Le fond, c'est la déshumanisation. Le fond, c'est ce qui s'est passé depuis 1841 jusqu'à aujourd'hui. Et après, c'est la raison pour laquelle nous appelons aux Comoriennes et Comoriens, nous appelons aux Africains, nous appelons à tout être, à toute personne éprise de paix, de justice, d'humanité, de savoir que, voilà, nous avons à prendre nos responsabilités pour que, puisque la question comorienne, c'est un peu comme la question palestinienne, c'est une question de, c'est une colonisation et on a à l'exprimer d'une façon très claire. Donc, même si c'est normal, si tu veux que je... Moi, ça ne m'embête pas, le fait de dire que les autorités comoriennes ont une grande responsabilité, mais c'est important de dire que le fond, c'est d'abord la colonisation et c'est d'abord ça, puisque le reste, c'est ce qu'on appelle la gestion. C'est vrai qu'en tant que des gestionnaires de l'État colonisé, néocolonisé, c'est vrai qu'ils n'ont pas à faire ça, mais justement, c'est parce qu'ils vont faire ça, ça fait partie des accords. S'ils ne font pas ça, justement, le peuple va dégager ses autorités néocolonisées. Et c'est là, effectivement, nous allons prendre nos responsabilités. Donc, prenons nos responsabilités, mais surtout, sachons où est le problème, où est le fond. Quel est ce qu'on a, ce que les marxistes appellent la contradiction principale? La contradiction d'abord principale, c'est la colonisation. Après, on nie pas qu'il y a des problèmes. On nie pas, c'est pas, ne disons pas que parce qu'il y a l'État impérialiste qui fait ce qu'il veut, que cela n'engage pas à la responsabilité de ses obliges. Si, mais c'est important pour nous de mettre le point sur les i sur la vraie responsabilité, la responsabilité de l'État français. Et ça, c'est l'institution qui pose problème. Vous accusez trop la France
Quel choix? Le choix était fait. Le choix était fait le 22. Non, écoute, et le 22. Ah bon, donc si je te comprends bien, Emmanuel Macron, c'est lui, c'est l'alpha et l'oméga du droit international. C'est lui qui décide quand ça l'avantage, quand ça l'arrange. En fait, c'est-à-dire que sachez que le 22 décembre 1974, les Comoriens de l'archipel des Comores, c'est-à-dire quatre îles, sont appelés à un référendum. Et ce référendum est sans appel. 95 à 96% de Comoriens ont dit oui à l'indépendance. Même si, pour des raisons d'instrumentalisation, une partie de l'île qu'on appelle Mahoré, c'est-à-dire Mayotte, a voté en garde-manette, servait contre. Mais c'est à cause de quoi? C'est important pour ceux qui nous entendent. C'est parce que la capitale de la colonisation était à Mayotte jusqu'en 1960. Et quand on l'a déplacée en 1966, c'est la France. Quel Comore? C'est la France, puisque c'est la France qui était le maître. C'est la France, de toute façon, même aujourd'hui. Aujourd'hui, statutairement, Comore est indépendant, mais Azali ose dire des choses, ose faire des choses qui vont à la contre. Pourtant, il peut le faire en tant que président. En 1966, en 1960, c'est l'État français qui est responsable. Certes, bien entendu, les Comoriens n'ont pas vu le piège. Les Comoriens n'ont pas vu le piège que c'était le diviser pour mieux régner. Mais disons-le, le transfert de la capitale de Mayotte à une des îles qui s'appelle Ngazidja, c'est l'œuvre française, ce n'est pas l'œuvre de Comoriens. Certes, on peut dire que les Comoriens n'ont pas bien vu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, mais n'empêche que le résultat est là. Sachant que depuis le 12 novembre 1975, la France est sommée de ne plus jamais organiser des référendums. Je te rappelais tout à l'heure que comment on fait? D'abord, on réduit la résistance. Ensuite, avec le temps, vous restez. Avec le temps, vous allez aliéner. Vous ne voyez pas les citoyens ici? Regarde ici. Emmanuel Macron est contesté. Sachez-le. Il est contesté. Les citoyens, regarde. Vous pensez que les citoyens prennent leur responsabilité? Non, ils ne le prennent pas. C'est la raison pour laquelle nous les encourageons. Faisons de la politique, parce que si vous ne faites pas la politique se chargera de vous. Donc ça c'est important. Donc, non, le référendum est fait. Le pays est global. Est-ce qu'on a dit qu'on avait quatre pays quand on a fait le référendum? Non. Là, c'est une sorte de masturbation intellectuelle, c'est-à-dire c'est une façon d'aliéner. On ne peut pas revenir. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés. On va dire, non, ça va. Là, chacune, ici, quand on vote ici, est-ce que quand on vote ici, par région, on va dire qu'une région, a voté telle, donc il va aller là? Non, on prend la majorité. La majorité de Comoriens a dit oui. C'est la raison pour laquelle, dans cette histoire, parce que c'est vrai aujourd'hui, c'est important de le noter, aujourd'hui, il y a un problème. C'est la France qui est responsable de la délinquance aux Comores. Oui, c'est elle. Oui. La France a la monnaie comorienne. La France qui dirige, qui doit être président aux Comores? Est-ce que ça, c'est les Comoriens qui choisissent? Ah non, ils choisissent quoi? Ah bon? Pour te répondre à ça, référez-toi à 2019. Il y a eu des élections. Est-ce qu'il y a une élection aux Comores? Il y a eu deux élections aux Comores qui n'ont pas été en quelque sorte corrompues. C'est l'élection de Taki en 1995 et l'élection de Sambi en 2006. Tout le reste, c'est l'État français qui décide. Même en 1990, c'est l'État français qui a décidé. Moi, je suis, en tant que membre de Suluhu qui est membre commun, qui est membre de la DUP, d'accord? Or, parmi, quelles sont nos revendications? Nos revendications, parmi nos revendications, c'est quoi? C'est le fait que c'est le franc CFA. On est contre. La France doit prendre son CFA. Il y a les bases militaires. Les bases militaires cherchent quoi en Afrique? Troisièmement, il y a le fait que la plupart des dirigeants comme africains qui sont élus, c'est toujours l'Élysée qui est derrière. Et enfin, il y a la francophonie. Donc, en tant que militant de la DUP et même de l'ENC, c'est-à-dire de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté,
ou de la DIP, Dynamique Unitaire Panafricaine, c'est important de savoir que parmi les reproches, parmi les injustices dont nous dénonçons, c'est les quatre points que je viens de citer. Oui. Wambush. Oui. Le but, oui, il peut les habitants natifs de Mahorais sont visés dans le sens où on veut les chasser de là-bas pour que justement il y ait un dépeuplement de oui. Mais on fait en sorte que les autres Comoriens puissent aller ailleurs. Comme ça, il va y avoir un dépeuplement de coloniaux de peuplement. Comme ça, il va y avoir d'autres Français qui acceptent d'être des colons qui vont aller là-bas. Et comme ça, avec le temps, les nouveaux arrivants ou les nouveaux arrivés, à un moment donné, comme ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, d'accord ? À un moment donné, on va dire que de toute façon, on a décidé. Et c'est bon. Mais ça, ils se trompent pour la simple raison que Comores est déclaré comme étant un archipel indépendant. C'est vrai, la France maintenant, elle peut montrer les muscles pour la simple raison qu'elle a ce qu'on appelle droit de veto. C'est vrai que pour l'instant, il la désoblige, mais c'est une erreur. Moi, je ne cesse de le dire. Les autorités françaises, les intellectuels français, les Français ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Oh, c'est important de le savoir. Certes, pour l'instant, il continue à piétiner, mais nous savons que ça va venir. Peut-être nous ne les avons pas levés, mais nous faisons cet éveil. Nous savons que les Comoriens vont prendre un jour leurs responsabilités. Et là, au contraire, là, on va continuer à exacerber. Là, ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Dans le Wambushu, parmi ce qu'on fait, on le sait, on va gazer les habitants là-bas. Une fois qu'ils sont gazés, c'est pour... On les gaze comme ça, les Maorais... Les Comoriens maorais qui, avec le temps, ils ont accepté d'être aliénés involontairement. Une fois qu'ils ont, il y a ça, le but c'est de continuer l'exacerbation. Comme ça, la haine va continuer. Puisque le but, je te dis, ça, attends, tout à fait, puisque c'est d'abord depuis 1995. Quand on a mis le visa, le but c'était quoi? D'abord, on teste. Est-ce que ces Comoriens vont accepter de se diviser, ils vont accepter de se haïr. Donc on est de les... Bien sûr. Parce qu'elle veut rester. Oui, ça, mais ça c'est la finalité de l'impérialisme. C'est l'une des finalités. Dans la mesure où... mais attends, la France a été condamnée au moins 22 fois par les Nations Unies comme quoi elle est illégale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout pour justement montrer que moi, je suis pour rien. Moi, France, je suis pour rien. Mais c'est vous, c'est entre vous. C'est ça, c'est la raison pour laquelle... Une dernière question oui. Oui, déjà, non, mais ça, c'est un événement, nous la dénonçons. Ce que nous avons à faire déjà, lui, il n'est pas président pour la simple raison qu'il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Et ça fait partie des raisons. Ça montre très bien que ça montre ça. Si besoin était, c'est là. Comment la France sait, c'est-à-dire Emmanuel Macron et ceux qui dirigent la France, savent que Azali Assoumani, en tant que néocolonisé, qui est oblige, qui fait la courbette, c'est quelqu'un qui est honni par le peuple comorien. Pourquoi il le soutient? D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Donc, il le soutient parce que lui, les yeux fermés, il accomplit les quatre volontés de la France. C'est-à-dire le fait que Azali, tu as oublié, Azali lui-même, il a osé dire que Mayotte, c'est-à-dire son territoire, c'est un pays ami. Ah bon? Ton territoire, c'est un pays ami, c'est pas...
ton territoire, qu'on t'ampute, on t'ampute ton territoire. Certes, tu n'as pas la force, comme ça arrive de le dire. Mais quand même, tu peux dire à des journalistes qui te posent la question. Vous, ce que vous voulez que j'ai des problèmes, moi, à Zala Soumani, moi, président putschiste et multipoutchiste. Au lieu de dire ça, il dit non, non, c'est un territoire ami. Non, non, c'est ton territoire, on t'a aliéné, on t'a amputé. Donc lui, même s'il va y avoir investiture, le but de il ne faut pas oublier que c'est important de savoir que Emmanuel Macron a pris du temps avant d'aller le féliciter. N'oubliez pas, pour le féliciter, il a utilisé l'ambassade de France. Ensuite, quelques jours après, il a envoyé le général, si tu t'en souviens, il a envoyé le commandant des forces de l'océan Indien pour y aller, tout ça pour intimider le Comorien. Mais il se trompe. Certes, pour l'instant, il croit être fort, mais cette force ne peut pas continuer. Le monde change. Et oui. Ça, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas. On n'est pas là pour faire des suppositions, des imaginations. Ce qui est sûr, c'est que la France sait que Azali Assoumani est ONI. Elle sait que depuis le 30 juillet 2018, on n'a pas de constitution. Comment est-il possible? Et pourtant, ici, il y a une constitution. Je ne cesse de le rappeler. Ici, la force sont les citoyens qui acceptent d'aller voter contre quelqu'un comme Macron, parce qu'on ne prend pas les responsabilités. Je le rappellerai toujours. N'empêche qu'ils savent. Mais au moins, lui, même si c'est vrai que les citoyens ne font pas leur devoir, mais quand même, lui, il est légal ici. Regarde, dernièrement, tu as oublié Ahmed Bouanaïd. Ahmed Bouanaïd, il a interpellé le président Macron. Il lui a dit, mais vous voyez ici, nous sommes à Castellane. C'est le quartier de Castellane, quartier de Zidane. Il a dit, voyez ici, quand on vote, on ne triche pas. Et vous soutenez quelqu'un qui triche, qu'on a vu de tout le monde. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le mépris. Et pourtant, il aurait pu lui répondre comme il a fait avec des jeunes Camerounais. Il aurait dû dire, bon voilà, c'est du mépris. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Comore, c'est un pays. Donc, c'est du mépris. Mais ce mépris ne peut pas continuer. Et ça, c'est la raison pour laquelle, ici, pour finir, j'appelle à la mobilisation pour le MPPAC, Mouvement Patriotique Panafricain de l'archipel de Comores, qui veut que nous prenions nos responsabilités. J'ai à te laisser parce que il faut que je... Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Et nous espérons que la mobilisation va se faire. C'est vrai que la France continue à mépriser, mais nous savons que, comme dit Sem Ben Ousmane, la vérité est comme le soleil, la panse de la main ne peut pas la rattraper. Même si ça va prendre du temps, c'est comme la Palestine, elle sera libre. Nous serons libres, ça c'est clair et net. La lutte avec Thomas Sankara disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi je dis, l'humanité ou la mort, nous vaincrons. Et ça, nous appelons aux Comoriennes et Comoriennes, à toute tête qui est pris de justice et de paix, de nous rejoindre pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Je t'en remercie beaucoup. Merci.